l'heure, il y avait des mères de famille qui m'attendaient devant la salle. Et une mère de famille très inquiète m'a dit, Monsieur Payon, nous, on est pour l'école, on soutient l'école, mais on est très inquiet avec la théorie du genre. Je lui ai dit, mais madame, de quoi me parlez-vous? La théorie du genre. Et j'ai compris en vous écoutant. Parce que le maire n'a rien à dire sur l'école, parce qu'il n'a rien fait pour l'école, parce qu'il a accompagné des majorités qui ont abîmé l'école de la République, parce qu'il est comptable de ce bilan désastreux, au plan national comme au plan local. Alors, pour avoir des voix, tout est permis. Faire peur aux gens et leur raconter une histoire à dormir debout. Imaginez-vous, nous allons nier la différence entre les femmes et les hommes. Alors que toujours, dans les combats que nous avons menés la gauche depuis deux siècles, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons simplement toujours voulu défendre l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous n'allons pas au-delà. Et nous allons plus que l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ajoute une chose simple, le respect entre les uns et les autres. Et pour qu'il y ait égalité entre les femmes et les hommes, pour qu'il y ait respect entre les femmes et les hommes, il faut bien qu'il y ait des différences. On n'a pas besoin de respecter ou rechercher l'égalité si nous sommes déjà identiques. L'égalité, elle est belle quand elle est entre celui qui est pauvre et qui est riche. L'égalité, elle est belle quand elle est entre celui qui est noir, qui est blanc, qui est jaune. Si c'est l'égalité du à tout ça, ça n'a aucune valeur. L'égalité, elle est belle parce que nous sommes différents. Si nous étions tous identiques, la question ne se poserait même pas. Qui a prétendu nier la différence entre les hommes et les femmes? Voilà où ils en sont rendus, pour faire peur à un certain nombre de nos compatriotes et leur faire croire, alors que nous nous battons pour les enfants, pour la réussite de tous, pour l'égalité entre les filles et les garçons, qu'il y aurait une prétendue théorie du genre. Alors je le dis à tous, ceux qui ont pratiqué les discriminations à l'égard des populations, le non-respect de la République, les inégalités à l'égard de l'école, c'est la droite et c'est votre mère. Et nous, nous nous battons contre ça, pour l'égalité. Et jamais, nous n'avons plus à produire dans les écoles la théorie du genre, qui d'ailleurs, heureusement, n'existe pas parce qu'elle n'a aucun sens. Je voudrais conclure en vous disant ceci. Je vous l'ai dit pour commencer. Vous n'avez pas trois jours. Vous avez le plus précieux, la flamme. Vous avez la chaleur. Vous avez la générosité. Vous avez la capacité qui a été la vôtre de construire un projet, le respect des électeurs, le travail de terrain, aller chercher les abstentionnistes, la sincérité, l'honnêteté des convictions. Vous avez, si je peux me permettre, la beauté de ceux qui sont généreux. Et c'était magnifique de voir les uns et les autres passer les uns après les autres à la tribune. Et donner dans le fond, vouloir partager avec vous cette flamme qui est la vôtre. Et en même temps, leur foi, leur espérance. Alors j'ai la conviction que là, vous avez ce qui est le plus précieux. Ce qu'il faut entretenir, évidemment, jusqu'à dimanche. Ne ménagez pas votre peine. Enquiquinez tout le monde. Frappez à toutes les portes. Allez devant tous les magasins, ça vaut le coup. Et puis, encore la semaine prochaine, et faites encore des réunions publiques, et continuez. Parce que si vous gagnez à Épinay, c'est très beau pour Épinay, c'est important. Mais c'est beau aussi pour beaucoup plus qu'Épinay. C'est beau parce que les valeurs que vous portez, ce sont des valeurs universelles. Ce sont les valeurs de l'humanisme, ce sont les valeurs de la République, ce sont les valeurs du socialisme et des gens de progrès. Merci à vous.